J'en veux dès, nous sommes de retour en RP avec Denise Duval. Denise motherfucking Duval. On est sur LGW toujours. Et voilà, on commence la soirée. Puis let's go. On est à donc Blackwater. Même dans mes rêves, je peux l'anticiper. Ça, c'est trop fort, ça. Je trouve ça beaucoup trop drôle. Il pleut et tout, donc on va changer. Oh la vache. Oh, c'est pas très beau de dos, hein. Oh la vache, le dos énorme que ça fait à Denise, là. Bon. Eh ben, on va voir. Attendez, je vois un petit coup, là. On est parti. J'ai pris du colis à la pêche, c'est pas mal du tout. Yanté, elle est partie à la muscu, mais regarde, c'est son manteau, il est tout balèze là. J'avoue, on dirait qu'elle a un dos. Oh, regarde-moi ce dos. Qu'est-ce que c'est que ce dos là? Mais je peux pas prendre un manteau long parce que ça fait chelou avec la robe. Mais du coup, un manteau court, bah, ça fait chelou tout court. Sœur Timmy, où es-tu? Alors, il y a quoi comme objet du commerçant? Il y a des patolards. On a des petites patolards. Est-ce qu'il faut que... Attendez, on va un petit peu. Faut que je mange. Non, faut plutôt que je boive. Oh là là, quel temps ripou, quoi. Ça me déprime. Il y a tout le monde qui court, en plus. Peut-être me prendre à boire ici, hein. Alors moi, je fais tourner l'économie. Moi, ma consommation, enfin, mes dépenses, c'est que en boisson et en bouffe. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oh là là. Hop. Oh, hop. J'attends que ça se calme un peu, hein. Ouais, je peux pas être trempé là, hein. Bon. Ça a dû se calmer. On va aller voir les télégrammes du coup. Oulala. Elle a essayé de monter Denise, mais n'importe comment. Monte de ce côté, Denise. Ah, ça pleut plus, mais ça tonne, alors c'est bizarre. Ah, ça se calme, ça se calme. Le télégramme, c'est à gauche. Oh, ça va. Franchement, cheval, ça va, le manteau. Mais sec de dos, il est chelouche, hein. J'ai froid, là. Oh, attendez, je mets mon plaid. Et je mets mon plaid. En fait, il était déjà un peu mis, mais mal mis. Non, c'est pas par là. C'est là-bas.
Ok. Bon, on va voir les télégrammes, voir si on en a reçu, tout ça, tout ça. Let's go, quoi. D'accord, il n'y a pas voulu. Ah. Ah, W. Attendez, je la gare. Train Armadio à 22h08. Oh, mais d'accord, super. Hein. 10, Benedict, Tumbleweed. Mais je vais jamais à ces endroits-là, moi. Jamais, hein. Bonjour. Merci. Vous avez rien d'important. Bonjour, bonjour. Madame. Je vais attendre mon tour. On est comme à la poste. Bah, on est littéralement à la poste en fait. On est bon ? Pardon. Non, j'attendais que tu le fasses. Mince. C'est quoi le code ? Ah mais est-ce que j'en ai pas reçu alors ? C'est Georges. Oh là là, ça va être chaud. Je sais pas, ça a été mélangé peut-être. Oh ah mais du coup si on m'a envoyé des télégrammes ils ont tout été effacés. Ah bah merde. En tout cas selon Lit c'est Georges. Hmm. Après ça reste Lit. Hein. Oula. Attention madame. Hey. Je vais tirer. Ouais mais il y a encore de la souplesse mon garçon, t'inquiète pas. Ah bah j'ai vu ça. Je voulais pas paraître désobligeant. Non, c'est vrai, c'était une pure considération. Bon. Dites-moi, je profite qu'il y a du monde. Excusez-moi, avec le nouveau système là, de Telegram, si on en a reçu alors qu'on n'était pas là, ils sont plus là. Je sais pas, normalement. Ah, ok, d'accord, bah, je vous remercie. Bah, normalement, hein. Après, voilà, mais. Évidemment. Je suis pas agent du Telegram malheureusement. Oh, je demandais ça au cas où si vous aviez vu, si vous l'aviez constaté aussi. Ils doivent se faire beaucoup d'argent. Ah oui, ça c'est sûr. Bon bah merci pour les infos en tout cas. Pas de soucis, bonne soirée. Au revoir. D'accord. Bon. Ah bah ouais, les bijoux. On va dire rien. Bonjour monsieur. Oh bonjour. Ah bah merde. Je vais passer à Valentine, c'est la voix qui a souvent les poteaux ou les connaissances. Valable à Valentine ou à. Je sais pas. Strawberry ? Non, monsieur dame. Quand vous devrez payer les. Non, je dis pas bonsoir parce que c'est pas encore... Bon, ça va être la nuit, j'avoue. Mais dans le jeu, c'est pas la nuit, c'est pas bonne nuit. Bonjour, bonsoir. Merde, ta gueule, Lox. Bref. Bon, là, il y a un petit peu de monde, mais ils ont l'air un peu dans leurs occupations. Je veux pas les embêter, hein. Mais ça a construit un peu ici, non? Ça a changé un peu, là. Impression. Ou alors je fabule complètement. Ah oh, non, peut-être, je sais pas. Allez. Hop là, comme d'hab, le petit périple en cheval. Pour commencer la soirée. Mais bon, voilà, je sais qu'on aura plus de monde. Mais du coup, on peut plus se contacter avec... On peut plus se contacter, en fait, je crois. Parce qu'il faut donner le numéro de télégramme, maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, dans le système du jeu, ils ont rajouté des numéros télé... Oui, c'est ça, des numéros de télégramme. C'est ça qu'on met pour contacter quelqu'un. Le truc, c'est que si on l'a pas, on peut plus contacter la personne. Ce qui veut dire que toutes les personnes qu'on avait déjà contactées avant, bon, bah, voilà, là, typiquement... Je sais pas. Faut que j'aille par là, moi, je crois. Donc voilà, c'est un peu chiant. Ça sent bien avec une veste courte, ouais.
votre perso s'est fait un cul phénoménal avec la jupe. J'ai pas fait gaffe. Mais oui, oui. Et puis même, de toute façon, les longs manteaux... c'est par où ? Voilà, voilà. Les longs manteaux, ça bug au niveau de la texture, enfin il y a des bugs de texture au niveau des jupes et des manteaux, ça se rentre dedans constamment, du coup bah les textures se mélangent, chez vous. Tu ouvres tes anciens télégrammes, bah là ils m'ont pas proposé. Je vais voir, je vais demander à d'autres gens, parce que voilà, je sais pas s'ils savaient, mais là le truc... qu'est-ce que je disais ? Là, le truc, c'est que... Tu regardes la nourriture dans tes poches et tu l'utilises. Bonjour, Roger. Bonsoir. Ouais. Oui, bah oui, il fait nuit. Faut que je vois, parce qu'en fait, là, j'avais pas la possibilité. Enfin, j'ai appuyé sur Telegram, il m'a tout de suite mis une page neuve. Et je pouvais pas consulter mes anciens. T'es là tout seul, toi ? Je pars où là en fait? Ah, je vais à Strawberry. Bon, on va à Strawberry, c'est pas un souci. Au pire, dis salut. Ouais, mais salut. C'est bon quoi, je suis pas une jeune hippie là, hein. Espèce de fou. Salutations. Ah, c'est bien, salutations, j'avoue. Ah, salutations, c'est bien. Franchement, je kiffe. T'es peut-être probablement un génie. Je pense, Infernalou. Salutations, ce serait bien. Je vais nourrir Pépette après. Oh là là, j'ai froid aux doigts, ça y est, là, ça m'énerve. J'en chauffe sous mes fesses. Oh là là, il me faudrait tellement les radiateurs pour main. Et je cache ma gueule. Je pourrais faire un truc pour cacher les deux en même temps, hein, les deux sources en même temps, je suis juste un peu nul. La saison des mitaines. Les grosses chaussettes, exactement. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame Denise. Bonjour à vous, comment allez-vous? Ah, ça va et vous? Ça va très bien, très bien. Salutations, on avait dit. Black Cat de Saint-Denis est ouvert. Oh, le Black Cat. Oh putain, ça, je vais y aller. Hein. Salutations. Je vois ce qu'il y a au magasin, même si j'ai besoin d'en acheter. Je suis littéralement une vieille, je vais dans les magasins même pour y en acheter. Juste histoire de me promener, quoi. Évasion. Ah oui, je crois qu'il n'y a rien à acheter ici, puisque... on peut acheter le commerce. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes sans patron. Bon courage, ami. Courage. Activité de vieille, mais grave. Et au saloon, hein, évidemment. Ah, c'est mon endroit préféré.
Eh ben tant pis. Je vais vraiment dire recrute, contactez James Gibson. Ouais, du coup, faudra qu'on aille à Saint-Denis pour voir le Black Cat. Hop là, on va manger. Pas ça. C'est ça. C'est chaud. C'est clair. Mais voilà. De toute façon. Je dis ça, ma femme le fait. En vrai, oui, puis ça, mais en vrai, je vois au taf que des gens font ça, mais c'est pas forcément des vieux, en vrai. Des vieilles. Calme-toi, Dédé. Moi, Dédé, qui dit bon, on va faire le magasin, là. Non, je regarde s'il y a des nouveautés. Ah, ce serait joli pour la maison, ça. Oh, oh mais il nous en fallait. Ah, dommage, c'est pas la bonne. Hein, est-ce que tu reconnais un petit peu Je sais pas. Est-ce que tu reconnais un petit peu le truc? Ah bon, je vais voir un peu au Telegram si j'arrive à regarder mes anciens Telegram. Tu vois, j'ouvre Telegram et j'ai que ça. Contact. Alors là, par exemple, voilà. Là, quand je clique là, ça fait rien. Contact. Alors on peut mettre, voilà, on pourra directement cliquer sur contact. Donc ça, c'est très très bien. Je peux faire un nouveau. Et ça, en fait, j'en ai plus. Mes anciens, ils sont effacés. C'est chiant. Je sens que ça caille. Ma chaîne vient d'entrer. Elle a été mangée. J'ai sauté sur le beat pour un câlin dodo. La dernière fois, elle est venue sur moi. Ça devait être la dernière fois qu'elle est venue sur moi, ça devait être en juillet. Ensuite, ça faisait trop chaud. Ah, d'accord. Ah, c'est marrant, ça. Oui, bah, non, mais de toute façon, là, moi, je sens bien. Puis bon, bah, je veux pas qu'on mette trop le chauffage parce que ça coûte une blinde. Mmh. Bonjour. Eh, bonjour, bonjour, petite. Et bonjour. Bah, rebonjour. Eh, dites-moi, les enfants, est-ce que vous savez si on a accès à nos anciens télégrammes ou pas? Pas du tout. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Eh bien, tant pis. Bon, je le recroiserai peut-être. Tu me donnes le tien, Tuttler? Ah oui. Oh, Tuttler. Le mien ou celui qui m'avant? Le tien. Alors, c'est UU. 71. J'aime trop. U 771. Oui, c'est ça. Et oui. 771, oui, c'est ça. Audit. Et oui. Ça fait un drôle de bruit. Tu peux me donner ce s'il te plaît. Moi, je trouve qu'il le prononce très bien. Celui de type, c'est YG 988. Le mien, c'est YG 477. Attends, YG 477. Peter. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Bah merde. C'est terrible. Je vais voir Valentine si je croise des gens. Je croise souvent des gens là-bas. Et sinon, on ira au Black Cat pour essayer de récupérer les trucs des télégrammes, quoi. C'est horrible, les enfants avec leur tête de vieux, ça fait flipper. Oh, on n'a pas vu leur tête, là. Mais oui, en fait, c'est qu'on peut pas vraiment faire des enfants. Et du coup, faut jouer avec la petite taille et faire en sorte de faire des visages les plus lisses possibles. Mais effectivement, normalement, tu peux pas faire d'enfants dans le jeu. Enfin, oui, voilà, que ce soit naturellement ou dans le jeu. Attention de pas glisser sur la pierre. Bon, ici, oh, pas d'accident. Je sais même pas qu'il y avait perso enfant dans Red Dead. On a dû... Non, c'est vrai en fait. Même en cinématique, j'avoue que je crois pas.
Mais pareil dans... Si je dis pas de conneries, pareil dans les GTA. Ça évite les problèmes. Bon, moi je suis full. Donc c'est bien. Je vais aller à Valentine en espérant croiser des gens pour qu'on se rééchange nos trucs, quoi. Ah, le fils de John. Mais oui, non, c'est vrai. Si, effectivement, le fils de John. Tout à fait. Oui, non, mais oui, bien sûr, on a même une mission et tout. Bah oui, je me rappelle. Enfin, il se passe des trucs avec le gosse. C'est vrai. Donc si, quand même, en soi. Mais dans le online, je pense que, par exemple, il n'y en a pas. Je pense. Et oui. Ouais, bah voilà. Mais du coup, ils ont... D'ailleurs, ils ont fait un petit... Bon, je pense que je peux en parler, c'est pas... Voilà. Ils ont fait un petit rappel gentillet sur le Discord en disant... arrêtez de faire des persos petits à tout va, un peu avec des dimensions un peu chelou et tout ça, juste pour troll. Parce que bah, le but c'est pas du YOLO quoi, c'est d'avoir une logique. Parce qu'apparemment il y en a beaucoup qui s'amusaient à faire des petits adultes, ce qui peut être justifié, sauf qu'apparemment c'est surtout pour troll. Et en plus, bah, ça fait qu'on confondait avec des enfants qu'on ne savait pas, vu qu'il y a très peu de moyens de distinguer les deux. En fait, aucun. Sauf si on nous donne l'âge. D'ailleurs, moi, là-bas, je considérais que les petits personnages n'étaient pas forcément des enfants. Juste des petits personnages. Mais voilà, j'ai compris que ça faisait un peu partie de la méta du serveur pour distinguer plus facilement enfants et adultes. Parce que, bah, il n'y a pas de... Voilà. Dans le jeu, en tout cas, il n'y a pas d'autre moyen, quoi. Donc, ils ont fait un petit rappel gentil. Du coup, Valentine, et puis il va falloir que je croise des poteaux, quoi. Et sinon, peut-être Saint-Denis. Et puis on verra. Sinon, je sais pas. Sinon, ça va être un petit peu la promenade. Si je croise pas de poteaux ou de gens avec qui je pourrais faire des trucs et tout. Bon, les enfants, je les connais un petit peu, je les croise un petit peu, mais... c'était Rose et Tuttle, je crois. Je les ai marqués au moins ? Oh, même pas. Non. Tuttle, je sais plus. Ah non, mais je les avais déjà notés. Sauf que je les ai mis à Valentine, sauf qu'ils sont pas à Valentine. Voilà. Je vais mettre à Strawberry, puisqu'à chaque fois que je les croise, c'est à Strawberry. Ok. C'est un peu toujours nu quand tu joues le temps in-game est basé sur le temps IRL où il y a un cycle plus court. Alors franchement, j'en sais pas. Effectivement, j'ai cette sensation aussi. Et pourtant, il y a un rythme jour-nuit normal. Mais voilà. Hello Zaloma ! Salut Mog de Mindark. Normalement, il y a un cycle jour-nuit normal, mais effectivement, fait toujours nuit quand on joue. Donc peut-être qu'il fait plus nuit quand tu joues la nuit, plus jour quand tu joues le jour. Et en même temps, je crois pas, quoi. Je crois pas, hein. Ah, où est Altab ? Ah, voilà. Mince. Voilà. Je fais des bêtises. Ça va, Zalama ?
Bon, ça m'emmerde ce système de Telegram. Sinon, je pourrais demander ce que j'ai sur Discord. Ça coûtait moins cher, enfin, je vis toute la nuit. T'as vu que c'est une nuit américaine, c'est-à-dire une nuit où on voit. Pas sûr. Mais effectivement, comme dans les vieux jeux d'horreur un peu sans budget où t'as qu'un écran noir et un tout petit halo de ta lampe qui a à peu près 2 secondes de batterie, là ouais, pour le coup, effectivement, ça coûtait moins cher. J'ai pas vu de prédateur en appât. Moi, je reste sur les chemins. Et apparemment, ils se tiennent... J'ai cru comprendre que les animaux, en général, se tiennent assez éloignés des chemins. Pour forcer la chasse, pour forcer le fait que la chasse, voilà, on doit aller un petit peu dans certains, bah voilà, un petit peu dans le côté, dans des coins reculés pour pouvoir chasser. Et aussi, je suis pas spécialement allée dans les coins où il y en a le plus dans le jeu. Mais je sais qu'il y a des loups et tout, pas et tout. Même si bon, oui, des loups c'est des toutous. Je sais qu'il y a des loups parce que, bah des pumas aussi, de toute façon, parce que des gens se sont fait attaquer, mais des loups. On m'avait même dit qu'il y en avait à certains endroits pas loin de là où j'étais, mais vu que moi je reste toujours bien sur les chemins, j'ai moins de risques. Mais je pense que si, voilà, si je m'éloigne des chemins ou si je vais peut-être dans d'autres coins, j'en croiserai peut-être. Parce qu'il y a ça aussi. Les ours, je sais pas. Il y en a, je pense, mais je sais même. Voilà, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui en ont croisé. Et vu que je reste un peu dans les trois mêmes villes tout le temps, bon bah peut-être qu'il y a moins de chances aussi de les croiser dans ces coins-là. C'est possible. Et aussi dans les zones où plus t'as d'humains, moins t'auras d'animaux. Ce qui veut dire que si tu pars à la chasse avec un groupe de 15, bon bah forcément, tu vas pas, voilà, tu vas pas chasser super bien quoi. Ce qui est un système ultra logique, je me rends. Pour le moment, calme ici. Des gens dans le saloon? Même pas. Mais chier, si je croise personne, ça va être chiant. Voilà le rose. Bonsoir. Mais non, pas du tout. Mais dites-moi, quel rose éclatant! On le voit de très loin. Mais oui, mais c'est fait pour. Ah bah... C'est réussi. Ah bah merci beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous faites habillé comme ça, gentleman? Eh bien, c'est ma tenue de tous les jours. Ah oui, d'accord. Bah, je ne vous ai jamais croisé alors, parce que je m'en souviendrai. Mais je suis rarement sur Valentine. C'est une ville pleine de bouffe. Oui, effectivement. Ça salit les bottes et les chevaux. Et tout à fait. Je préfère passer ma vie sur Blackwater ou Strawberry, voyez. Ah, d'accord. Oh, Strawberry, vous me direz, un peu de beau aussi, hein. Ah, mais moins de contenu. Oui, c'est vrai, moins de purée. Oui. Et puis les gens sont sympas, vraiment. Ah, ici aussi. Oh, oui, non, mais d'accord, mais je ne veux pas présumer. Je parle de ce que je connais. Ah, Armadillo, j'ai pas ce problème. Ah oui, je suis encore jamais allé. Vaut le coup cette ville? Oh, c'est très sympathique, hein. C'est magnifique, hein. Ah oui? Vous voyez des vêtements légers? Oui, il doit faire très chaud. Il y a une chaleur étouffante. Ah, j'imagine. C'est très chaud, mais là, les gens sont sympathiques dans la salle. Sympathiques, il y a toujours un peu d'action, de folklore. Oui, on m'a dit que ça bougeait beaucoup là-bas. Oui, ça bouge. Ah, très bien, très bien. Eh bien, j'irai peut-être y faire un tour, tiens, ça me donne envie. Bah, c'est une bonne idée, hein. Oula, j'ai l'impression de voir un cheval se déplacer tout seul. Non, mais c'est la boue de Valentine, je vous dis. Oui, mais Valentine, on en a déjà parlé il y a pas longtemps. J'ai un ami qui pense que c'est une ville hantée. Hein. Il y a beaucoup de choses étranges. J'ai jamais rien vu de soucis ici. Oh bah. Pourtant, je suis un chat noir. Hein. Ah, j'ai un ami qui était possédé par le piano. Et une fois qu'il en est sorti, il était tout bizarre. À part les pianos qui sont misogynes, moi j'ai jamais rien. C'est vrai, les guitares aussi. Les pioches aussi, les pioches, beaucoup de choses sont misogynes dans le pays. Hein? J'aime pas.
Bah, ouais. Le piano, j'ai vu que voilà, j'avais une dame y jouer il y a pas très très longtemps, au piano d'ici. Je sais pas comment elle faisait, mais elle a réussi. Bon oui. Oui, c'était il y a. Je sais pas, hein, je ferais quelque chose. Il y a 3 jours. Merde. Bah, c'était. Est-ce que c'était pas le médecin? Oh non, je confonds peut-être. Bon, en tout cas, merci beaucoup du conseil. Ah oui, non, n'hésitez pas à passer à Armadio, ouais, c'est très joli. Et ça va, la route n'est pas dangereuse? Parce que bon. Pas du tout, pas vraiment. Ok. Une fois, il y a eu des loups, mais. Oui, c'était plus par rapport à la faune que je disais ça, c'est bon. Ah, faut faire attention aux cactus, ça pique. Ah oui. Et sinon, les animaux, non, ils sont... il y a des coyotes la nuit, mais sinon, c'est assez calme. Hein. Mmh. Ah bah, très bien. On va passer vite, ils nous embêtent pas. C'est vrai. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une inauguration à Saint-Denis ou quelque chose comme ça. Ah bon ? Ah bon ? Oui, quelque chose qui a ouvert. Enfin, une inauguration, je sais pas, mais quelque chose qui a ouvert à Saint-Denis. D'accord. Le Black Cat, je crois. Ah, mais ça fait un moment qu'il a ouvert. Ah, mais je savais pas. Black Cat. Oh, bah, j'avais pas eu l'annonce. Oh, si, si, ça fait bien 2-3 semaines hein, déjà, je pense. Oh, d'accord. Bah, pourquoi on m'a dit ça aujourd'hui ? Bon, je ne sais pas. Au Black Cat, il y a des patates. Hein. Après, ils font peut-être la soirée d'inauguration ce soir. Mais... Mmh. D'accord, d'accord. Je demande à Rose, mais ouais, non, bah, c'est compliqué avec les télégrammes. Oui, ah oui, bah oui, j'ai plus personne, moi. J'ai plus contacté qui que ce soit. Le télégramme a perdu tous les contacts. Ah bah oui, ah, c'est, alors c'est bien pratique, hein, il a un nouveau système, mais il s'y retrouve plus dans les anciens messages. Tout à fait. Donc, ça bon. Bien qu'il retrouve les papiers quand même. Ah, ce serait sympathique. C'est-à-dire que maintenant, le monsieur, il comprend plus les noms, quoi. Avant, lui donner les noms, je vois pas ce qu'a changé entre hier et aujourd'hui. Ah bah c'est que maintenant, ils sont plus procéduriers, ils font en plus des numéros, tout ça, tout ça. Mais les noms suffisent plus. Ah, c'est la haute technologie. Bonsoir. Ah, bonjour. C'est plutôt toujours. Mais oui, c'est là, pas très c'est pratique. Beau, ouais. Oh là là. Oh là, oh là. Oh, c'est beau là, ici, Lydia. On pourrait faire une peinture. Je m'extasie un petit peu sur le soleil et sa beauté. C'est les nouvelles lunettes, ça. Oui, c'est les nouvelles lunettes, exactement. Ah, et puis à cette heure-là, le soleil il tape sur l'arbre, là, c'est bien joli. Ah oui, c'est quelque chose. Joe, là, t'as des choses à faire, toi, ce soir? Normalement, j'ai pas grand-chose de prévu. Moi, avec toute cette histoire de Telegram, bah oui, j'avais prévu des choses, mais je peux plus contacter bah oui, mes ça. Amis. C'est bah, ça, ouais, c'est ça, ouais. Si j'avais su... tout le monde. Oui, c'est ça, du coup, je erre un petit peu pour essayer de retrouver mes contacts. Votre pratique. On passe à Armadio, Joe, pour retrouver des contacts. Ouais, je pense. J'arrive pas. Hola. Bonsoir. Hola. Bonsoir. Ma boîte est grande. Je vais te ranger, bisous. T'es un génie, Lévi. Waouh. Mais même la monture est assortie. Ah, c'est fantastique. Je suis subjugué. Ah ouais, ça fait plaisir. Il est magnifique. Et dites-moi, vous faites quoi dans la vie pour être aussi flamboyant? Je suis avocat. Ah d'accord. Ça vous fait rire, hein? Bah, disons que vous m'auriez dit chanteur, quelque chose comme ça. Ah non, avocat, c'est avocat. Pas commun. Avocat, je défends les honnêtes gens ainsi que les criminels. D'accord. Et ça fonctionne bien? Oh bah ça fonctionne très bien, je vais pas en plaindre. Ah bon, en tout cas on doit vous reconnaître. Sous-entendu, je suis riche comme Crésus. D'accord. C'est complètement faux. En général. Eh bien oui, ça va bien. En tout cas vous en avez l'air, si ça peut vous rassurer. Ah bah ça fait plaisir. Magnifique. Mais effectivement la boue le tâche déjà le pauvre. Eh oui, tout à fait. Hey Jody Boss, tu veux venir avec moi? Donc, je prends quelque chose, hein. Bah, je fais l'habitude, hein. Oui, je fais l'habitude. C'est bon pour la peau. Ok, bonne nuit, Grisou, pas de soucis. Grisou, bien se plus. Bonne soirée. Ah. Bon.
Bah je sais pas. Quand le prix des arcs, tiens. Et puis bah on va aérer. Good morning, ma'am. Bonjour. Ah, ça me saoule. Ça me saoule. Est-ce que je suis plus personne. Armurerie, munitions et six objets du commerçant. Ah bah il y a des jumelles, il y en a 8, ça va. Flèches, elles sont à combien? Elles sont à 39 centimes, ça va. Par contre, je vois pas d'arc. Non. Ok. Parce que ça, c'est vrai que je devrais... d'ailleurs, je devrais m'équiper... Je vais faire tout de suite. Non, c'est là. Là. Voilà. Que je sois un petit peu cohérente. Et je vais aller à la banque. On va déposer un tout petit peu des sous. Histoire que j'ai pas ouvert un compte pour rien. Pour personne. Après on ira faire un tout petit tour. Et puis bah, sinon je sais pas. Soit Saint-Denis, soit... What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Non mais oh. Ça va pas, non? J'ai 12. Je vais déposer 4. Voilà. Voilà. Je vais voir un petit peu, tiens. S'ils s'en sortent, les gérants. Enfin, la gérante. Ah, les fenêtres sont réparées, en tout cas. Y'a quoi à manger? De toute façon, on ira manger ailleurs. Ah oui, faut qu'on aille voir s'il y a du monde au resto. Bon bah. Ouais, c'est chiant. J'ai quelques contacts sur Discord, mais pas énormes non plus. Donc tant pis. Eh bien, très bonne journée en tout cas. De même. Merci. Oh, regardez, je suis toute seule moi aussi. Oh, c'est ça là. Merde. Toute seule là. Armadillo. Tumbleweed. Ah, depuis le temps que j'en ai entendu parler, mais bon, moi j'ai pas de contact là-bas à la base. Soit je vais à Saint-Denis, mais Saint-Denis c'est tellement grand, je suis pas sûre de croiser du monde. Soit je vais là-bas en mode YOLO. Ah mais si, attendez, il y a Morgane là-bas. La voir. On sort gauche tasse. On se va. Attendez, j'ai le tape parce que j'ai fait n'importe quoi, voilà. Parce qu'il y a personne au resto. C'est plutôt calme, dis donc, ce soir. Oh. Des visions. Mythe de joueurs sur la zone, sérieux? Il y avait tant de joueurs que ça? Alors c'est là où je suis qu'il y a du monde? Bah Dédé va bien, mais bon, on a perdu tous nos contacts dans... Avec les télégrammes. Ce qui fait que j'avais du monde à aller voir et tout ça. Bah, j'ai plus rien. J'ai un peu de deg. Du coup là je me tâte. Enfin pas littéralement.
Je... Bonsoir. Oh, il fait jour, hein. Arrêtez de dire bonsoir, hein. Je vais m'énerver, moi. Ah, voilà. Bijou retrouve sa splendeur. Ah, oh, je suis saoulée, quoi. Du coup, bah, on avait prévu plein de trucs. Comment qu'on fait, nous? J'avais déjà essayé de retrouver des gens sur le Discord commun, sur le Discord d'AGW, quel enfer. Armadio. Voilà, on prend le train. 22h42. Ah non, il part d'Armadio. Steve Landing. Il y aura quoi sur la route du coup? Strobe? On va aller vers Strobe. Ouais, et puis peut-être Armadio alors, hein, histoire d'explorer un petit peu. J'ai vu une annonce du Black Cat, mais voilà, j'ai pas fait gaffe. Après, bah, si j'ai personne avec qui aller, ce sera pas très intéressant. Mon dos, il est tout sale là, ça me dégoûte. Parce qu'il faudrait qu'on change du coup. Si on va à Armadio. Galère. Mais oui, non mais oui, c'est galère, Ricky, oui, là. En fait, en gros, ils ont changé le système de Telegram. Pour un peu plus sympa à utiliser et avec un peu plus permissif au niveau du nombre de caractères, tout ça. Mais le truc, c'est qu'à côté de ça, on a perdu tous nos anciens Telegram. Et maintenant, pour contacter les gens, et ben avant on avait simplement besoin de leur nom et prénom, maintenant on a besoin d'un code personnel qu'ils doivent nous donner. Oh, j'ai trop mangé, trop bu d'eau, j'ai mal à mon ventre. Ah ouais, ça c'est bleu cipo, ouais. Et moi ça me le fait aussi quand je bois du coca le soir après avoir un peu pas mal mangé. Ah rip, bah ouais. Parce que ce soir, j'avais prévu de retrouver plusieurs personnes. La petite Amy Star que j'ai rencontrée il y a longtemps, où on devait se faire une petite virée ensemble. Bah, ça aurait été sympa d'aller à Armadio ensemble, par exemple. Ouais, ouais, non, mais je verrai. Mais Blackwater, j'en reviens, gauche test. Hein. Après. Mais il se passe toujours des trucs chelous à Blackwater. Mais j'avais prévu, voilà, de faire une petite virée avec la nouvelle. J'avais prévu, on avait prévu avec Budge Dream d'aller à peut-être à Saint-Denis, puis de voir pour une petite virée à l'île de Guarma ensemble. Du coup, t'as pas de lieu, t'as la chance de les croiser. Bah c'est ça. C'est ça. J'avais dit un peu à tout le monde que j'étais dispo, que je jouais aujourd'hui. Mais elle pas nos infos quoi. Mettre en V hein. Le cheval connaît la route. He know the road. Mais voilà, je suis un petit peu mitigée. Oula, oula. Calmate, calmate. Donc je suis en train d'essayer de voir un petit peu comment je peux retrouver mes contacts. Mais je sais pas trop. On va faire des allers-retours hein, pour essayer de retrouver nos anciens contacts.
Il y a quelqu'un. Ah mais c'est un PNJ. Pourquoi on voit pas ton visage? Parce que en RP on monte pas son visage. Sauf dans les moments où... effectivement, il y a pas grand chose à faire. Mais là, bon, j'ai l'espoir de croiser du monde. Alors voilà. Tour de la map, ça va être compliqué. Ce qui aurait été cool, c'est de choper le train limite. Ça aurait été sympa, mais je sais pas où il est là. Je crois qu'il passe par des coins où je passe pas, moi, de base. Le train, j'avais vu qu'il passait à ce genre Tumbleweed et... Il passe par où le train en vrai? J'avais vu qu'il partait de genre... Là... peut-être Benedict Point... Il doit aller à Armadillo et ensuite... Ah bah non, il passe même pas à Blackwater. Moi oh bah, je sais pas. Ça aurait été pas mal. Faire un petit tour de la map. Où je peux prendre le train? Sinon ce sera Saint-Denis et puis c'est tout hein. J'ai prévu de braquer un train, oui, bien sûr. Comme d'hab hein. Bon, de prendre le train, c'est-à-dire de monter dedans quoi. Ah, j'ai jamais pris le train. Saint-Denis c'est cool en vrai. Non mais je connais très bien Saint-Denis, mais le problème c'est que s'il y a personne à Saint-Denis, bah je vais me faire chier. Au cours de temps. Attendez, c'était quoi? Ah c'est ça qu'on entendait. Oh la vache, j'ai du monde. Je fais ça pour pas qu'elle me fasse mal. Oh, elle est trop mimes. C'est Jo. Je vois un peu qui c'est tout ce monde qui vient d'arriver. Ça m'intrigue. Ils vont glisser dans la boue. Oui, je reviens plus tard, mais voilà, je suis venu exprès. Ça ah, c'est juste les shérifs. C'est juste les shérifs. Bon, je vais aller boire un coup et puis on va se barrer. Hein. C'est trop stylé quand ils arrivent tous comme ça, j'aime trop. Oh bah y'a du monde. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien madame? Très bien et vous? Écoutez, oui, plutôt bien. Oui, fraîche. Travaille le bois quoi. Ah oui, d'accord. Ah, je pensais que c'était pour boire un coup. Bah bon travail. Merci. Ah oui d'accord, il travaille le bois. Ah c'est chiant. Oh tant pis. C'est quoi mon petit repas à moi c'est-à-dire? Je vais rouiller peut-être avant aussi. Aka, celle qui m'a collé une broche tout à l'heure. Oui voilà. Ah, ça me saoule, je sais pas quoi faire. Re petit infernalou, j'ai chaud.
Je suis en train de voir ce qu'on peut faire. Pour voir si on peut croiser ceux que j'avais prévu de croiser. Oh, c'est chiant, hein. Franchement c'est chiant, ça me saoule un peu. Je... Ah bah Bijou n'est plus là. Oh, est-ce qu'il est couillonne ? Ouais. Non, pas maligne, Bijou. Ah, faut pas que je l'appelle ici. Hein. Je sais pas comment dire. Après, si tu veux avoir des infos sur mon perso, tu fais pas d'exclamation de Nice. Mais sinon, voilà, je sais pas trop quelle est la question. Excusez-moi, j'ai le table, j'ai pas fait exprès. Pif, paf, pouf. Oh si! Ah mince! J'en trouve plus OBS, voilà. Ah non, mais c'est toujours comme ça, les chevaux quand ils arrivent, ils sont toujours vénères. Ils trappent pile, hein! Je vais vite faire mon numéro de Telegram au cas où je croise des gens. Jean, bonjour. Allô. Bonjour. Pardon. Ça veut pas, ça me saoule. Je crois que c'est mon cheval qui fait la moque. À la bonne nuit, à demain. Ah oui. Madame Denise, puis Waban. Yeah. J'essaie aussi d'accéder au bureau. Ah mais si vous y arrivez pas, essayez d'aller de l'autre côté. Ah. Ça marche aussi, là par là. Allez par là. Droite. Oh d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Et là vous mettez à côté du monsieur, normalement c'est non monsieur. Vous. Désolé, je suis dans votre espace. Merci beaucoup. Ah y'a pas de quoi, si ça fait vous plaisir, ça me fait plaisir. Mais ça me fait plaisir. Alors, hop. Mon numéro de télécran, c'est FU256. Parfait. Salutations. Je vais m'éloigner, hein, parce que sinon, si j'appelle mon cheval, elle fait nawak. Il y a aussi un cheval, c'est mon cheval. Bonsoir. Ah. Oh. Bonsoir, je pense qu'on s'est croisés. Mais tout à fait. Mais vous allez bien? Mais très bien, et vous? Vous êtes Marie, c'est ça? Mais c'est ça, c'est ça. Ah, ravi de vous revoir. Bah de même, il y a Cartouche qui arrive là. Ah d'accord, oui, parce que bon, j'ai plus aucun contact avec qui que ce soit, moi. C'est vrai? Bah mais oui. Ah, ils ont un nouveau système, mais bon, bah, ils ont perdu tous nos messages. C'est exactement ça. Donc c'est pas très pratique. Calme-toi. Il faudrait justement qu'on échange mes numéros si vous voulez bien. Tout à fait, je... Oh mince, je l'ai pas noté en entier. Ah. C'était 256, c'est ça? Bon, je crois que je me rappelle.
Vous êtes sûr? Sinon, on va retourner au Telegram, c'est mais pas grave. Juste à côté, donc ça va. J'y suis allée juste pour ça. Ah, mais non. Ah, mais oui, c'est vraiment pas pratique. Ah, oula. J'arrive, voilà. Doucement. On rentre pas avec le cheval, hein. Bonsoir. Bonsoir. Bien le bonsoir. Bonsoir. Finiment Denis. Bonsoir. Vous allez bien? Vous avez bonjour Madame Lasso, comment allez-vous? Bonjour, bonjour, ça va vous? Madame qui? Je l'espère. Je suis la cartouche. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je me souviens très bien. Elle m'a dit que... Marie m'a dit que vous arrivez. Oui, en effet. Oui, qui est cette gentille dame? Ah, je m'appelle Denis Duval. Ah oui, pardon, enchanté, Madame Duval, pardon, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Oh là là. C'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive. Je suis la chef, que faites-vous de beau à Strawberry? Eh bien, j'essayais de retrouver un petit peu toutes mes connaissances parce que j'ai plus personne. Oui, avec les télégrammes. On va échanger tout. Oui, oui, ils ont j'avais. Changé leur manière de travailler. Et que faites-vous de beau dans la vie, Madame Duval? Eh bien, à la base, je pêchais, mais bon, c'est pas très lucratif. Alors, je vois un petit peu à droite à gauche s'il y a moyen de trouver des activités un petit peu plus payantes. Oui, je comprends, oui. Et vous, que faites-vous donc? Vous êtes, écoutez, vous êtes drôlement habillé, beaucoup. Oui, merci beaucoup. Ça me rappelle beaucoup ma sœur Marlotte, à qui j'ai grandi pendant 25 ans, qui était une chèvre. Et pour lui rendre hommage, disons que j'ai décidé de lui rendre hommage en portant son accoutumance, ce qui me rappelait beaucoup Marlotte, à qui j'ai grandi dans une cave pendant 25 ans de ma vie. Ah oui. Voilà. Mes parents m'ont enfermé dans une cave, donc parlé le langage de la chèvre couramment, et actuellement j'ai été pris sous l'aile d'un certain Owen, qui m'a tout appris. Je lui bois une fière chandelle. Je vois. Mais ça me rappelle un certain bébère que j'ai croisé à Valentine, qui est serveur, et qui lui a été élevé avec les cochons. Il a grandi avec les cochons. Et vous, c'est avec les chèvres, c'est fou. Effectivement. Effectivement, et... Quelle histoire. Vous savez, je respecte plus les animaux que certains êtres humains, actuellement. Je comprends tout à fait, Voilà. Eh bien, j'aime beaucoup. Vous avez beau chapeau, j'aime beaucoup. Ah, merci, merci. J'y tiens beaucoup. Vous dégagez de la joie de vivre. Oh, c'est et très gentil. Et ma journée, j'espère égayer votre journée à mon tour. Oh, bah bon, tout à fait. Je vais chercher information, je reviens. Tout à fait, tout à fait. Bah nous, on va échanger nos... suivre la cartouche. Oui, Madame bah oui. Duval, faisons route ensemble. Tout à fait. Plus on est fou, plus on rit. Oui, et puis bon, il faut qu'on échange nos numéros de Telegram à tous, là, parce que bon... Effectivement. Ça serait plus pratique, oui. Plaisir, Madame Duval. Ce background de perso. Oui, oui. Ah, il y en a, ils aiment bien leur background, alors ils te le sortent à la première rencontre. Qu'est-ce que vous me racontez depuis tout ce temps Eh bien, que dire? Que s'est-il passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu? On s'est vu quand? Dimanche, je crois. Je ne sais même plus. Oh, eh bien, pas grand-chose. J'ai pu faire un petit peu des rencontres fort sympathiques. Et puis, j'ai vu Cartouche lundi. D'accord. Et puis, bah là, voilà, je... J'avais quelques rendez-vous, mais bon. Bah, du coup, c'est compliqué. Ah, bah oui, pour le coup. Donc, je n'ai plus de programme pour cette soirée. Bah, je vous présente Tessa. Une. Oui, je n'ai même pas demandé qui vous étiez, excusez-moi. Il n'y a pas de soucis. Enchantée, Tessa. Enchantée, Madame Duval, si j'ai bien compris. Tout à fait, tout à fait. Okay. Et vous, c'est juste Tessa? Tessa Owen. Tessa Owen, ah, bah oui, la famille, évidemment. Pardon. Ça suit. Alors... Bon, je vais de l'autre côté, votre... hein. Ouais. Me va dire. Jean-Pieux, c'est encore moi. Ça va bien. Ah, voilà. Est-ce que, du coup, maintenant, il faut le nom, le prénom et le code, ou simplement le code? C'est même plus non, il me compliqué, semble, hein. Non, le prénom ouais. Et le code. Ouais, d'accord. Vous pouvez me donner votre code? Tout à fait. C'est FQ256. Super. Je vous donne le mien ou... Oui, s'il vous plaît. Alors, c'est le ZV743. Très bien, c'est noté. Voilà, au moins j'en aurai une. C'est déjà pas mal. C'est ça. Et vous alors, qu'est-ce que vous racontez de beau? Bah écoutez, pas grand-chose, on travaille beaucoup. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour gagner votre vie? Je travaille à la menuiserie. Pardon, j'ai pas entendu. Je travaille à la menuiserie. Ah, la menuiserie. Ah oui, d'accord, oui. Et franchement, ça va bien. Hein. Ça va? Oui. Oui. C'est ça, ouais. Je dirais en
30 minutes, on se fait 6 $ 6,50 $ Ah oui. En tant qu'employé, en tant qu'intérim, c'est 5 euros. 5 $ pardon. Bonsoir. Bonsoir. Attendez, je vais. Oh là, on va bouger un petit peu, excusez-moi. Finn, c'est quoi? Oui, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour parler. Non, attendez, on va sortir. Pardon, la pauvre. Des vrais commères. Oui, devant, devant la poste, là. mais oui, ça paye mieux que la pêche, en tout cas. Je suis allée là, mais... je sais pas si vous avez besoin de faire quelque chose par là-bas. Non, bah, on a pas vu les garçons, du coup. Ah bah c'est oui. Ça. Bon, c'est pas grave. Ah, bah, le non, voilà. Ah bah oui. Ah bah, on entend de loin. C'est ce que... C'est ce que... Non, bah, non, il veut me frapper. Attendez, attendez. Oula. Oh, je vais me faire disputer, voilà. Non, non, bravo, vous avez évité le pire. C'est moi, pardon, excusez-moi, je... Dégage. Non, mais oh, c'est risqué, plus. Alors c'est risqué de le renvoyer par contre. Oh, c'est la chèvre. De quoi? Quoi? Pourquoi? Ah, la chèvre. Mais oui, pourquoi? Non, non, mon cheval, c'est pas moi. J'ai un peu sifflé et il était attiré. Alors, appel, 2 dollars. Renvoi, 2 dollars. Oh, la facture va être sale. Un cheval durant les heures 20h à 3h du matin. Donc, 4 dollars de plus. Ouais, on est à 8 dollars. Du coup, pour la beauté, ça fait moins 8 dollars, je crois. Voilà. Oh non, je suis toute contre maintenant. Ah, ça l'a fait pleurer, vous entendez? 2 dollars ou 8 dollars, du coup? Je crois qu'elle a besoin d'une potion d'élixir. Une potion d'élixir? Une potion de dollars. Hein? Elle a besoin d'une potion de dollars. Une potion de dollars? Je la connais pas, celle-là. Je crois qu'elle a besoin d'une potion d'élixir. Tenez. Tenez, madame, je voulais une potion d'élixir. Donc, je vous la vends 1 $ Ah bon? Oh non! Ça fait 9 en tout! Moi, je quitte la ville, bonne soirée! On va plus la revoir! Je vais pas que votre nom, s'il vous plaît. C'est Marie Owen. Mais j'ai pas fait exprès, vraiment. On va dire disons que. Disons qu'elle a dans son cheval, elle avait tort qu'elle qui parte. C'est pour ça, monsieur le shérif. Veuillez l'excuser pour. Ouais, pour le coup, il est bien parti, là. Dernière la facture fois. A fait se coucher, exactement. Première et dernière. Oui, j'espère. Oui, je vous promets. Parce que là, c'était vraiment la totale. Là. Mais tout à l'heure, elle a déjà. Ah, bah, je fais pas les choses à moitié. Ah, bah oui. Non, excusez-moi, vraiment. Ok. Bon, bonne soirée. Attention. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, chérie. Et ben dis donc, j'ai fait belle. C'est trop kiki. Il faut que j'aille m'acheter à boire, messieurs, dames. Tout à fait, il y a Tadoun si vous voulez. Toi, si tu veux, mal. Non, mais non, on va acheter parce que tu veux bien. De moi, l'eau, tu vas aller de toute manière, dans 5 petites. Point de minute. Il t'arrête au saloon, on commence à le connaître, tu là. J'ai oui. Dû la limonade, je crois. Dites-moi, juste... cher confrère, est-ce que ça vous dirait qu'on a. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu la fin. Ah, voilà, on pourra peut-être faire une petite excursion tous ensemble là. Je suis toute craque à pas contre c'est. Bonsoir, j'aurais à boire, s'il vous plaît. Allô. Oh, il y a un beignet. Oh, je me prends un beignet surprise. Ah oui, ils sont bons alors? Parce que bon, le côté surprise, ça me faisait un peu peur, moi. Je vais goûter, je vais goûter. J'ai jamais goûté donc. Tu es censé me protéger, pas me fracasser la gueule. C'est qui s'est fait frapper? Moi, il arrête pas de me taper sur la tête. Parce qu'il est. Oh, mais c'est parce que. Il se croit tout permis. Tu devrais avoir la tête solide normalement. Oh, et puis il y a des cornes, ça se défend. Oh, je pense que je vais attacher la chèvre là sur le mur là. Non, en tant que trophée. Je pense que les beignets surprises, c'est différents goûts et c'est au hasard, mais je vais la figuer. Ah d'accord, j'ai essayé. Continue, je suis juste à essayez. La volaille donc. Ne m'énerve pas trop. Oh non. Alors, beignet. Oh pardon. Oula oula oula. Mauvais réflexe. Calmez-vous messieurs. Ah oui, elle a figé aussi. C'est la deuxième fois qu'il s'amuse à étrangler. Hein. Non. La force colossale de ma petite taille. Tu veux séduire même les hommes maintenant? Alors, il est totalement tombé sous mon charme.
Mais je pense, hein, vous êtes fait la peau. Le charme de la chèvre. Où est ton chapeau? C'est ça. Prenez un beignet, vous me dites quel goût vous avez. Et bah, j'ai une figue aussi. De lion. Oui. Peut-être que c'est que la figue, en fait. C'est pas trop surprise, quoi. Pour faire croire qu'un petit peu d'originalité, oui. Sûrement. Oh non. Bon, la chèvre, demain, nous allons partir à... Oh, qu'est-ce qui me fait... Nous allons partir à la recherche de ce que nous avons besoin de vivre, d'aventure et de frissons. Donc demain, tu vas te réveiller plus tôt. Marie, il faudrait juste que tu me raccompagnes vite fait rechercher mon cheval à l'écurie. Ouais. Écoutez, moi je vais vous souhaiter une agréable nuit. Et arrête pas de bouger. Ça, c'est un débutant, ça. Je faisais la même au début. En vrai, je comprends. Duval, encore enchanté d'avoir fait. Eh bien, pareillement, petit chèvre. Et puis, je vous remercie. Et je vous souhaite une agréable nuit. Eh bien, pareillement, tout à fait à la voyure. De très jolis rêves. Et n'oubliez pas de garder le sourire, c'est important. Eh bien, merci beaucoup. Et vous n'oubliez pas de rester comme vous êtes. Merci, super, c'est apprécié. Allez. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Au revoir la chèvre. Il court, telle une chèvre. Il va se perdre. Telle une brebis. Il est perdu. Ouais. Il faudrait qu'on aille faire un petit tour à Armadillo quand même. Hein. Ah oui, avec plaisir. Hein. Je comptais y aller en plus parce qu'on m'en avait dit du bien. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller histoire d'aller faire un petit tour quoi. Oui. Allez. Je vais peut-être juste aller mettre quelque chose un petit peu plus léger parce qu'on m'a dit là-bas il fait très chaud. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, il faudrait que je me lave un peu. Il y a la petite... la petite rivière. Bonjour. Salut, mes petites dames. Eh ben, bonjour. Salut, ma sœur. Salut, cartouche. Ça va, papy? Salut, Denise. Salut, comment allez-vous, monsieur Rick? Tu es en train de te réveiller ton lit, papy? Ah, je suis encore malade. J'ai chopé une petite toux, tu vois. Ouais, ça s'entend, papy. Une petite toux. Alors, comment allez-vous? Bah, attendez, on va discuter dehors. Ouais, papy, on va dehors. J'allais me réchauffer le gosier, mais... Oh, papy, tu m'as manqué, hein. Allez, papy est là, bon bah ça va. Oui, papy a manqué à cartouche, oui. Tu m'as manqué aussi, hein. T'as la parlotte aujourd'hui, cartouche. Oui, regarde, j'ai changé de nouveau chapeau, enfin papy. Ouvert un livre. Oui, papy, regarde, j'ai changé de nouveau chapeau. Mm-hmm. C'est vrai. Toi et mes chapeaux. Oui. Toi et mes chapeaux. Est-ce que toi, rangé argent dans chapeau? Oui, ah oui. Beaucoup argent. Oui. Fameuse méthode. C'est très bien. Papy. Ouais. Toi, faut toi devoir parler à cartouche. Attends, d'abord je me... Salut, madame. Salut, bien. C'était ça. Bonsoir, oui, ça va, alors, merci, et vous? Dis-moi tout. C'est... Et ça, elle a une double personnalité. Bah, c'est la femme. Elle est un bébé. Hein? Quel cousin? Ton cousin James. James? Oui, c'est ça, Owen. Oh! Mais c'est le fils de... Attends. Non, c'est le cousin James. Ah, mais j'essaie de trouver la branche dans ma famille. Attends. Ah, c'est peut-être un autre arbuste après. John, c'est compliqué. Moi, très heureux de ne pas avoir famille à part vous. Moi aussi. Bon, on va dire cousin Germain. J'arrive, moi je vais me changer pour voir Armadillo. Oui, y'a pas de soucis. Oui. Bon, enchanté. Oui, bonne nuit, petit Rikioui. Très bonne nuit à toi. Des oubis, puis merci d'être resté un petit peu, c'était cool. Merci beaucoup. Alors, on va aller songer. Alors après, est-ce que la tenue... Est-ce que la tenue de Saint-Denis, elle va aller? Moi j'aime ton chapeau, mais il est excellent mon chapeau, tout le monde le kiffe mon chapeau de toute façon. Oula. Pour Armadillo, ça va pas le faire, ça, hein. Je pense qu'il faudrait que je me change, hein. Ouais, ça va être compliqué. Bah là déjà, j'ai des contacts, là, avec Rick Owen, du coup, le vieux. Marie, du coup, avec qui on discutait. Cartouche, qui s'appelle Boris Clark, mais j'ai pas son numéro. J'ai les contacts.
Bon, je vais pas redire bonjour parce que je pense que j'ai déjà dit bonjour 15 fois à tous les gens de cette ville, donc... ils sont partis très vite, sinon. Ah, ils sont peut-être là-dedans. Oh, bah, je sais pas. Et bonsoir, madame. Et bonsoir. Denise, on a une question. Dites-moi tout. Comment on peut trouver un arc ou autre? Normalement, les arcs, c'est les armeries. D'accord. Et bah, autres aussi. Ok. Bon. Alors après, ça dépend des stocks. Et je sais qu'on m'a dit qu'il y avait un vendeur d'arc itinérant. Mais du coup, je ne sais pas qui c'est. Peut-être que les shérifs pourraient nous en dire plus. Moi, oui. Moi, je me renseigne. Mais c'est vrai qu'ici, c'est interdit de tirer. Ici, c'est que dans la région, c'est que de l'arc. Bah, moi, j'aime bien l'arc. En vrai. Oui, et puis les balles, ça coûte très cher. Hein. C'est vrai? Oui. J'ai une petite surprise, moi. Il faut aller à Valentine. Non, à Valentine, ou bien à Black Winter. D'accord. On a l'armadillon, on peut s'arrêter à Black Winter sinon. Ou en Valentine aussi, remarque. Éventuellement, oui, tout à fait. Tu voulais aller où, toi, de base? Je voulais faire un tour à Armadillo. 5 longs doigts de la main. Donc 5. Bon, on peut aller faire un tour à Valentine, hein, c'est plus près, et puis après aller faire un tour à Madrid, de toute façon. Ça fait ça. Cartouche, j'attends. 5. Bon. Ok. Ouais, papy, si on veut un arc, il faut aller voir les peaux rouges. On va trouver les peaux rouges. Ouais, les natifs. Quoi. C'est quoi les peaux rouges? C'est des saucisses? Oui, oui. What the fuck? Alors, comment tu vas, Madenise? Bon, très bien, et vous? Ça va. Mais non, mais. Vous m'avez manqué. Oh, bah c'est fort aimable ça. Moi j'étais bien embêté, je pouvais contacter plus personne. Ah. Oula. Du monde. Oula. Et il y a beaucoup de monde. Prison sorcelée, tout ça. Peu risqué. Bonsoir. Allô. Ah, j'ai rencontré une petite chèvre apparemment qui fait partie de votre famille. Une petite chèvre? Oui, une chèvre blanche. Mais. Non, je. Papa. Ah, il me dit qu'il a été élevé par des chèvres. Et du coup, il est habillé en chèvre. Okay. Et je crois qu'il s'est présenté comme étant une chèvre. Oui, non, mais alors, ça. Bonsoir, bonsoir. Mais quels sont ces habits, dis donc? Viens. On est un peu plus doucement. Bonsoir, on passe frotter à eux très méchants. Ah bon? Oui, eux faire des chances dans la montagne. Très méchant. Je suis là, Marie. Ah, oui. Oh, Marie. Oui. Oh non, c'est mais elle débarque par là. Si tu savais. Je te promets que je suis le mal. C'est pas grave, monte avec quelqu'un, ce sera plus simple. Allez, Denise, vas-y, monte sur mon dada. C'est pas le dada. Non, c'est pas possible. Et voilà. Et hop. Yep là. Les couples, avec les couples. Et les solos, avec les solos. Non, mais c'est jeune. Pas là. Vous allez, comme vous allez là. Je sais pas. En compense. Voilà. Je pense qu'on gêne un petit peu le monsieur Dernot. Il est pressé. Bonjour monsieur. Bonsoir monsieur. C'est bah, le cousin de ton mari à toi. Ah, d'accord. Ouais, allez, famille, monsieur, c'est compliqué. Hein. On a Boucle d'Or qui nous suit. Direction Valentine. Ok. Oui, c'est vrai qu'il y a une jolie coupe. Trouvé? Oh, bah, ça se remarque, quoi. J'aime tout ce qui est original. Ah. Cartouche, oui. Dans les ciseaux. Non, rien. Mais j'ai pas compris, papy, de dire quoi. Sors les ciseaux. Ah oui, ok. Attends, je vous regarde. Oh, mais non, pas maintenant. Ah non, pas à cheval, il paraît que c'est dangereux. Je crois que c'est le cerveau, le casque, le chapeau, il cherche le cerveau. Là. Ah, mais vous perturbez aussi. Oui. C'est un petit peu perturbant. Ah, j'en ai marre, hein. Ici, dans ce confrérie, il y a personne qui se prosterne. Quand on voit un vieux. Ah oui. Un jour. Vous voulez qu'on se prosterne?
Non, pas vous, pas vous, pas vous. J'ai trop de respect pour vous. Oh, bah c'est pas aimable. Mais pour ceux qui travaillent pour moi, vous voyez. Ah oui. Ah, y'a du monde qui travaille pour vous. Ah, non. On va dire que je suis en haut du panier avec mon frère. Ah oui. Bah, on est les plus âgés, forcément, donc. Et du coup, c'est qui la petite chèvre par rapport à vous? Cartouche. Non, la chèvre. Ah. Parce que. Un cousin germain. Ils en avaient des cousins. Oh, oui, ben, je les connais pas tous. Vous savez, la plupart ils sont recueillis dans notre famille, donc du coup. Oui, c'est vrai, bah, celui-là ça a l'air d'être le cas aussi, oui. Voilà, voilà. Alors, ben, regardez Cartouche. On l'a ramassé. Et il est avec nous. Eh oui, je vois ça. Mais il s'est enfin un gaillard fort sympathique. Oui, oui, oui. Toute notre famille est rachitique. Ah bon? Soit un petit gros, soit un grand maigre, soit un petit maigre. Mais jamais de muscles. Ah oui. Ah, tout dans la tête, quoi. Ouais, oui, 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 oui. On va avoir beaucoup de muscles. Ah, c'est sûr. Oui, beaucoup de muscles, mais bon, si on freine devant, on va te rentrer dedans, Cartouche. Oui, oui, je sais pas oui, si oui. T'es moi, ça. Non, non, j'ai pas aimé. On pas aimé, moi, faire attention, pas encore, désolé. Pourquoi il parle comme un... Oula, attention, attention, attention. Ouais, Quoi? Vous voulez qu'on fasse demi-tour, c'est ça? Non. Juste un petit contrôle de routine. Ah, oh là, ouais. Qu'est-ce qui... Attendez, il y a Cartouche. Faut qu'on aille voir Cartouche, il est tombé. Je suis tombé de son dada. Et vous êtes qui? Il est chelou? Il est de Valentine. Oui. Oh, je crois qu'il est pas bien du tout, oui. Oh, mais... Ah oui, il va pas bien du tout. Ah. Cartouche! Cartouche! Ah, il saigne de la tête, regarde. Oh, Cartouche! Non, non. Faut pas le bouger, ouais. Ah oui, non, mais il était à côté de moi quand il est tombé. Oui, bah il. Il a dit, je vais faire attention avec mon cheval. Bon, bah. Oh, attention demain. Comment? Vous l'avez bouché? Ah, bah non, je suis pas bouché. Donc vous avez dit, vous étiez à côté de lui jusqu'à quand il est tombé. Bah, il était en cheval à côté de nous. S'il vous plaît. Attention, là son cheval par contre il va nous mettre un petit. Bah, il se fait piétiner par son cheval. C'est terrible. Vous êtes en chemin sur Valentine pour me faire recenser. Ah bah ça c'est parfait. Ah bah c'est nickel. On va même pouvoir vous escorter. Du coup je me dirigeais vers Valentine, vous voyez. Ah oui je vois. Voilà, voilà. Et vous êtes? Achetez, moi c'est Edward Hunt. Oh ben moi, c'est Cartouche. Oh, ça va pas, hein. Rick Owen. Rick Owen. Oh, bah, c'est parfait, ça. Oui, il est vraiment pas bien. Tout va. Et vous êtes avec madame. Ah, il a été couché. Tout à fait, c'est ma famille. Elle a fait. Je sais pas quoi, là. Oui. Oui. Un petit peu Cartouche. Oui. Ah, ça, c'est un désaccord avec mon petit frère, vous voyez. Il a tapé la tête, l'assassin. Ah ouais, donc c'est pas tous des Ewan, c'est vous avez... C'est pas des pur sang, c'est la plus basse. Ah oui, c'est des sang mêlé. Cartouche, t'as vu. Oui, sûrement. Cartouche, alors... Ok. C'est pas grave. Regardez la grande tige par terre là-bas. Ah ouais. Lui, répétez, Cartouche gros muscle. Lui, Cartouche tombé. Oui, c'est vrai que... Cartouche gros muscle. Ah, oui. Ah, le muscle ça rend lourd, ça fait qu'on tombe plus vite. Fils de mon petit frère. Adopté. Adopté. Je m'en mal. C'est bien ça. Attendez. Bon, ben, on fait comment? Cartouche? Je crois qu'il. Mais j'imagine qu'il faut qu'on attende un médecin. Non, mais j'ai une pelle. Moi, j'en ai une en plus. Je crois qu'il est encore en vie. J'ai l'impression qu'il nous entend. Qui commence à creuser? Je commence à trouver un endroit, s'il vous plaît. Eh, déconne pas debout, là. Non, mais en vous mettant dessus, je sais pas si vous allez l'aider. Mais... Oh, ce sera peut-être accomplir un fantasme, mais bon... Il est tombé. Ah, c'est un sacré gaillard. 2m50, le gars. Monsieur Rick. Oui. Et madame Owen, c'est bien ça? Oui. Non, moi je suis madame Denise, Yvan. C'est moi, madame Owen. Ah, avec Tessa aussi. Pour moi, vous êtes tous un peu des madame Owen. Entendu, Denise. Oh bah, je connais monsieur depuis pas très longtemps, donc bon, c'est un petit peu précipité. Oula, je pense qu'on est sur le chemin, par contre. Vous faites C'est votre histoire, là. Allez, bien. Bonjour. Bonsoir. Bon bah, monsieur Owen, il est tombé avant
montagne okay. ou dans une ville pour être sans tout à fait, oui, je vais le faire parce que. Mais qu'est-ce que c'est là, l'eau c'est non, c'est exactement. Parce que si vous ne faites pas et qu'après. Voilà, maintenant que je vous ai rencontré et que je vous ai. On est médecins, c'est impressionnant. Et que je vous rattrape et que vous ne l'êtes pas fait, je vais vous mettre une petite amende. Je pense pas que vous avez envie. Non. Voilà. C'est pas riche à millions, vous voyez. Il bug là. Je voulais savoir, est-ce que le norme de Valentine vend des armes? Attendez, je voudrais ça va, cartouche? Oui. Oh là 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 là. Ouf, les raccourcis, je suis trop. Le cartouche a mal à la tête. Oh, c'est normal. Mais vous inquiétez pas, j'ai appliqué un baume. Vous n'avez pas les lésions sur le crâne, donc tout va bien. Aïe. Hop là. Ça va un peu mieux, mais avoir très mal à la tête. Regardez. Très mal. Oui, avoir mal à la tête, cartouche. Oui, on le voit bien, ton mal de tête. Alors, j'ai appliqué un médicament, mais il n'agit pas instantanément. C'est tant que ça. D'accord, docteur. Bravo, docteur. Merci, docteur, pour merci de m'avoir soigné. C'est normal, c'est bon. Vous voyez normalement? Je vois un petit peu flou, mais ça va. Oui, mais partout, je vois flou un peu. C'est habituel ou... Non, je me suis pris un coup. C'est habituel, j'aime ça. Merci, vous aussi. C'est bon, le cheval qui vous a assommé. Oui, moi, avoir volé du cheval. Oui. Donc, vous n'avez pas envie de vomir? Non. Sur ce coup-là, ça va, docteur. Okay. Bon, on va patienter un petit peu que ça se calme. Oui, docteur. Attendez, je vais toucher mon cheval avant qu'un autre accident arrive. Oui, puisqu'il est grand celui-là en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Faites-vous fou à cheval. Pardon. Docteur, je peux me lever, docteur. Denise. Oui. Tu t'es fait recenser? Ah oui, bon, il y a un petit moment. Ah, ça va. Tu t'es fait recenser où? Ça va. Blackwater. La crème est froide. Je suis arrivé à Blackwater. Mais moi, il faut que j'y aille aussi là-bas. Oui. Ou plutôt au plus proche. J'essaie de marcher un petit peu quand même pour voir si. Et bord de l'eau. Je tremble pas. Pour profiter, il y a de l'eau fraîche. Je vais voir en vrai. Oui. Hop là, RP. Ça a l'air d'être bon, docteur. Je vais aller faire doucement. Ah. Et bah, j'aime bien le oui, il y a la pêche. Très cool. Tu bois, Denise, parce que là, tu ne fais rien. Oui, docteur. Je vais monter avec quelqu'un derrière. Et voilà. Oui. Après, généralement, on a coutume que le cheval du propriétaire paye. Ouais. Je sais pas. Le propriétaire du cheval. C'est qui le cheval qui m'a fait tomber? C'est le tien. Moi, je vais pas te mentir, il y avait mon cheval et ton cheval, je n'avais pas vu l'autre. Ah, bon, bah, vous allez devoir payer vous-même. Je crois pas, j'étais très à côté de lui, mais très loin. Je parle à monsieur Cartouche, en fait, vous allez devoir payer. Ah oui. C'est vrai. Il paye. Si vous vous sentez mal, n'hésitez pas, on peut aller se poser au cabinet. Oui, docteur, on doit se rendre à Valentine. Actuellement, si je sens que je vais pas bien, je m'arrêterai voir vos collègues. Parfait. De toute façon, moi j'y rentre à la même. Ok, d'accord. Bah écoutez, si ça va pas, je viendrai vous voir. Ok. C'est super gentil, Doc. Merci, Doc. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Je peux. Oui. Vous aussi. Merci. Et je peux. Monte avec Rick. Merci. Elle monte pas avec toi. Oh, je vais prendre ma monture. Non, je vais prendre. Dès qu'elle prend mon cheval. Dès qu'elle prend mon cheval. Elle est où ma monture? Prends mon cheval. Attends. Là, je vais le calmer. Oula, il court partout.
Pourquoi mon cheval ne vient pas? Non mais cartouche, non mais faut faire un effort au bout d'un moment, bordel! Non mais cartouche! Au bout d'un moment, hein. Cheval pas aimé cartouche. Oui, je crois qu'il y a un souci, mais... vous comprenez pas, je crois. Tout doux, tout doux. Voilà, c'est bien. Moi, petit cheval. Viens avec moi, viens. Denise, prends mon dada, je m'occupe de celle-là. D'accord. Ginette, elle te connaît, elle n'a pas peur de toi. Bonjour, Ginette. Ça va aller. Ouais. Mon cheval il vient pas, je sais pas pourquoi. Gaspard, doucement Gaspard. Voilà. Oui, monte avec Denis. Ouais, ouais, ouais. Ah, Denis, je monte avec vous. Viens, petit cartouche. Compliqué ce soir, hein. Voilà. Je pense qu'on va retourner voir les médecins. Ouais, 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 ouais. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, c'est gaulé. On va pas aller trop vite, hein. Oui, 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 doucement, doucement. Cartouche a très peur. Oh, ouais, ouais. Bon, il s'est repris quelques fois son cheval dans la tronche. Marie ? Oui ? Je me suis pris encore le cheval dans la tronche. Une fois de plus. Ouais, ouais, quelques fois. Enfin bon. Moi j'en peux plus. On va peut-être prendre le train ce soir, non? Ouais, 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 on va prendre le train. Ouais. Eh, c'est marrant, le cheval il va vraiment moins vite, j'ai l'impression. Hein. Quand on a deux. Ah, c'est trop drôle. Par contre, oui, j'ai appelé mon cheval. Alors peut-être que ça perturbait le cheval de cartouche, j'en sais rien, et que c'est pour ça que c'était foutu le bordel, mais mon cheval à moi ne venait pas. Ça va aller ? Ouais, je me dis que à force je devrais demander au docteur qu'il me fasse une carte. Oui, un abonnement. Ouais, un abonnement. Un petit forfait là. Ouais, ouais, un petit forfait docteur parce que là. Au bout de la dixième fois, il me faut une réduction. C'est pas mal. Parce que là, j'en peux plus. Papy! Je vais demander au docteur qu'il me fasse une carte de réduction pour le dixième soin, je crois. Qu'est-ce que c'est ça, une carte de réduction? Je sais pas, je viens de l'inventer, je me suis dit éventuellement. Je voulais ralentir, mais le cheval apprenait très vite. Oui, oui. Et il a de bons freins, le cheval. Ouais. En effet, oui. C'est vrai que. Vous avez vu ? Hop ! Ouais, ouais. C'est vrai qu'il marche très bien, les freins. Ah, oui. Des freins disques à l'avant. Oh bah du peuple, dis donc. Il y a du monde. Ouais, 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 en effet, ouais, 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 ouais.
Ouh là là. Je vais attendre un petit peu que tout le monde appelle son cheval. Vous avez trouvé où ranger les chevaux? Ah là-bas. On va faire ça là-bas. Ouais, ouais, c'est mieux parce que... Loin de la cohue, là. J'aime pas ouais, bien. Ouais, ouais, ouais. Je pense que Cartouche, il a eu son lot, là. Ouais, ouais, c'est bon. Moi, je peux plus voir blesser les chevaux, moi. Moi, en avoir marre. Oh là là. Hop là. Une fière bête, la Ginette. Ouais, c'est une brave bête. Oui, elle a de bons freins. Ouais. Très très bon frein, oui, en effet. Oui, 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 oui. Papy, Ginette, très gentil, papy. Ça va? Ça va et vous? Oui. Hey, sur un petit trajet, il se passe des choses. Hein. On s'ennuie jamais, hein. Ah oui, ça c'est vrai. Ah oui, c'était pour des arcs qu'on était là. Oui, 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 exact. Moi, je vais faire mes petites recherches. Je suis du... Ah non, c'est... Tu vas bien? Oui. J'ai inventé un nouveau pas de danse. Ah oui? Comment ça, j'aime bien ça. Je vais appeler ça le moonwalk. Ouh, bien le bonjour. C'est comme si on marchait sur la lune. C'est ça. Oh. Comment... Bonjour, bonjour. Bonsoir. Que faites-vous de si beau dans cette magnifique ville, monsieur? J'aime bien comment Cartouche il commence une conversation. Un début d'un poème. Je pense qu'au fond de lui, c'est un grand poète. Je pense aussi. Oh, on entend quelqu'un. On entend quelqu'un ronfler. J'étais ça. Bon, où est-il? Marie? Oui? Je sais que... Que? Attends. Je t'envoie quelque chose sur Telegram. Je crois savoir. J'ai un bruit de gorge dedans. On voit quelque chose sur Telegram comme ça, je sais pas si... Ouais, personne, dommage. Ça rend fort, ah grave. Donc je m'éloigne un petit peu, parce que bon, c'est difficile de rester RP quand on entend plein de bruits parasites comme ça. J'ai un peu du mal. J'ai chaud. Oh sérieux, j'ai chaud. Merde. Mais comment je peux trouver une tenue plus légère? Moi, je... Plus léger encore, ça va faire bizarre, hein. Il fait 20 degrés, c'est pas si chaud. Faudrait que je me fasse recenser là. Ah oui, c'est auprès des shérifs, je crois. Bah, j'ai eu l'occasion d'avoir un... Attends, d'abord, qui m'a guéri sur le chemin, mais je voulais voir s'il y avait un problème. Alors... Je vais te suivre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je serai pour acheter des... est-ce qu'il y a des orques ici? J'ai l'impression... Mais non, mais en fait, j'avais vu tout à l'heure qu'on n'avait pas, mais... Parce que je m'éclipse, là. Mais bon... Bon, on dirait pas. Bon, ils sont pas d'arc. J'arrive de suite à Madame Duval, je vais aller faire pipi dans les orties là-bas. Ah, c'est sportif ça. Ah oui, je suis pas du tout. Faire pipi dans les orties. Oh bah, dis donc. Il y a du monde par là. Mais il y a du monde ici. Vous êtes fait encenser? Oui, oui, oui. Ah, oh, parfait. Mais non, monsieur. J'ai pas vos cartouches. Moi, je me promène. Voilà. J'espère que j'aurai pas trop chaud habillé comme ça à Armadillo, mais bon. C'est pas si chaud. Ah, si, c'est chaud quand même.
Ça va être dur de trouver une tenue plus légère. Sans Morphuflux. Oh, le restaurant de Valentine, il est comme ça. Mais il est trop classe. Oui, fermé. Ah non. Attendez, je vais tester. Oh. Oh, mais c'est vraiment classieux ici. Oh, sympa, sympa. On mange ici. On va voir. Ah oui, il y a plein de tartes et tout, mais il y a deux restos alors à Valentine. Plus le saloon. Ah oui, eh, c'est vivant Valentine. Hein. Faut faire, hein. Denis en met de bar. Mais c'est ça, hein, t'es au bout d'un moment. Au bout d'un moment, je sais plus quoi. Je sais plus quoi choisir, quoi. Ils sont où? C'était là-bas. Au bout d'un moment, pour que ça aille à une dame de l'âge de Denise et que ce soit suffisamment pas trop chaud, je sais plus moi. Bonjour, bonsoir. Bonjour, je ne sais pas. Les modes d'époque sont limite plus chauds que cette nuit, oui. Oui, bah oui, c'est ça, tu te baignes habillé dans du coton, quoi. Un truc qui devient ultra lourd une fois que tu le portes et puis. Allumettes. So- ah, les sauts, ils ont baissé. Gourde. Bloc-notes. Cigare, gruyère, arrosoir. Lait de vache, ok. Vous revenez des orties? Oui. Ça m'a légèrement piqué, mais je le dis bien. Il paraît que ça fait circuler. Ça fait circuler, ça. Oh, 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 le piano. Je sais plus comment on fait. À chaque fois. Avant, le personnage enchaînait. Bravo. Ouais. Une autre. Ah bon, on n'entend pas les mêmes. Ah, c'est marrant. Je suis sur... je suis en train de me concentrer sur mon piano, vous voyez, madame. Concentre-toi. Je dois régler des petites notes dans ma tête. Faites, faites. Je vous laisse danser. Oui. Oups. Ah. Il a cueilli. Ah ouais, pollu. Ouais, peut-être, ouais, mais bon. Ça fait bizarre avec... avec le fait qu'elle soit pas toute jeune, quoi. Ça danse bien ici, ce que je vois. Mais tout à fait, tout à fait. On est à fond, là. Nanana.
C'est un peu répétitif, non? Légèrement. Ah. J'aime bien le fait qu'on entende des bruits pas très forts. Je pense qu'on n'entend pas les mêmes chansons. Mmh. Oui, c'est ça, Cartouche, il n'y avait pas de frein, lui. Enfin bon, en vrai, le problème c'est surtout qu'on s'est un petit peu percuté avec le cheval de Cartouche et celui de Rick. Oula ! J'ai vu derrière vous un cheval drôlement agité. Ah oui ? Oui. Oula, bien le bonjour messieurs dames. Eh bonjour, bonjour. Et à cette vitesse, je vais venir dehors. Bon, alors, on va s'arrêter un petit peu, j'ai les doigts qui brûlent. Bah, bravo! Comment ça va? Ça va, et vous? Bah, ça va, écoutez. Ah, écoutez, j'ai mis l'ambiance. Ah, bah, j'espère. En tout cas, je peux compter sur vous là-dessus. Ça, c'est un. Ça, c'est véridique. Ah, bah, le piano marche très bien. Moi, j'étais venu pour me faire recenser, donc je suis dit, je vais faire un petit robard. Vous voyez, au salon. Il faut le shérif, hein, pour ça. Ah, oui, c'est pas le. Bah là, on va y retourner et sûrement je viendrai boire un petit coup. Vous avez les caisses pleines ou pas? J'ai les caisses pleines et j'ai changé les prix. Normalement, ils sont un peu plus bas. Ok, c'est cool. Mais bah, écoutez, je vais. On va inaugurer ça avec Denise et ma belle-sœur. Donc, on va se faire recenser et puis on arrive. Ok. Ah, bonsoir. Ok. Allez, c'est parti. Il y en a qui se connaissent pas au canon. Pardon. Excusez-moi. Pas de problème, comment tu te sens, Cartouche? Ça va un peu mieux. Un petit peu mieux? Bon, c'est l'important. Ouais. Bah, il va au petit coin. Ah oui. Il va faire pipi dans son pot de chambre. Moi aussi, je crois que j'allais faire pleurer Pauline. A tout de suite. Bah, attendez, il y a. Dites-moi que je peux aller dedans. Je pense pas, mais. Ah, si, je vais le faire. Ah, si, c'est ouvert! Trop bien. A tout de suite! J'arrive! Eh, au revoir, la VOD! On en profite, tiens, pour arrêter la VOD. Bisous, VOD. À tout à l'heure.